qui dit que t'es pas sérieux dans le gym. Le gym, on fait vite ça, les gars. Le sang des victimes. Very good work. Champion. On va voir comment ils tirent. Les gains comme les jabs. Le clic. Les gars, tout le monde dort. C'est pareil à 13h à la TMT. Honnêtement, je vais juste préparer un shaker en fait. Et après, j'attends les autres pour manger. Sur moi. Ouais, j'ai mangé moi. Tu connais, je prépare mon gâtier Alice. La fin, on va faire ça bien. Petite omelette. Petit réveil musculaire, rien de bien méchant. Car dans 2h, waouh. Il y a 5 ans, t'arrivais même pas à tendre l'élastique. Le travail, il n'y a pas de secret. En 5 ans, c'est le travail qui a changé. Les répétitions, le fait de voir sa tête toutes les semaines. Eh, croyez pas, il vous dit des trucs, moi aussi ça me saoule. Hein. Mmh. Non, je rigole. Moi, c'est que de l'amour. Lui, ça l'énerve, mais moi, c'est que de l'amour. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui apprécie. Hein. Hey yo, Ren, turn that up. Turn that up. Hey, you had to turn this up, little buddy. That shit got crazy right here. Spicy. Et là, je dis, ça a mis du temps pour arriver là. Finish. Thank you, my bro. Là, on finit ça, tu bois et après, tu t'allonges. Il reste une heure avant de partir. En vrai, je suis prêt. Mais c'est. En fait, je crois que c'est les 3 jours d'inactivité là. Je sens que je suis pas encore opérationnel. Non, après, c'est ton premier sparring. Et après, qui sait, ça se trouve, en fin de semaine, tu referas un sparring avec le même gars, on sait pas. Hein. C'est le premier, tranquille. Juste bien t'échauffer pour bien faire. Bien rentré dedans, c'est tout. Oh, le monde là, ils peuvent même pas manger. Il y a un autre qui se permet de laisser dans l'assiette. C'est du bien, vraiment calme comme ça. C'est mon super pouvoir, les gars. Je vais bouger ma côte. Viens. Ok, là, reste tranquille aussi. Ok, tu chill. 8h30, on prend la route. On va bouger au sparring, les gars. Vous brossez Chicago et on va la guerre. Ok. Qui va faire les bandes, c'est le gars qui fait les bandes à tout le monde, à Jarmanta, tout ça, il s'appelle Bob. Hey, quit making all that noise, man. We got company. You box? How you doing, man? I'm sick. How the Western team? Huh? We gonna talk shit and have fun up in this motherfucker while you're here. Yeah, that's what. It's England Mark on some of these motherfuckers in the gym. You know what I mean? Il dit, il y a quelques gars sérieux dans le gym là. Ils aiment bien voir ce qu'on a dans le ventre. Ils provoquent. C'est sympa. Et... Un méchant. Ils rigolent et tout. C'est dingue. Ouais, genre, une poignée, j'ai l'impression qu'il est fixé. C'est vraiment la technique. Zéro bavure. Les saps, tout ça, c'est rien. Ça là, mon gars, ça a plus de valeur que tout. Lui, il travaille que avec Floyd. Là, tu te fais border les mains par. Je pense que c'est bête. Tout le monde, il fait tout le monde. Que ce soit en boxe ou MMA, il faut aussi. Lui qui s'est occupé tout le temps de Floyd, il fait Jarvanta, il fait Devin Haney, il fait tous les gars. Gah. Il like it already. Jay, you want the best, you got the best. Don't get no better than him. C'est que j'ai l'impression que c'est vissé, gros. Là, je dépasse la mâchoire. Non, mais par rapport à ton image, tu dis c'est bien, t'as une bonne gueule et en plus tu peux combattre. Donc, je pense qu'ici, tu peux être big. Hein. Wish, 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 wish
pizza, les gars. Le sang des vikings sur la paire. On va les sang des coups. Là, je suis dans le cri. Ah, c'est le meilleur cut, man. Maybe we'll see. Very good work. Yeah, champion. Right, champion. Yeah. Champion. With Fabrice Tiozzo. Tiozzo, yeah. Christophe and Fabrice. Yeah, yeah, okay. Christophe is the older brother. Yeah. Reda, la fille disparaît, c'est bien passé, premier jour, on va aller voir son ancien, ok, on mange, on va goûter un poisson chat, jamais goûté. Et voilà les gars, demain c'est pareil, c'est méchant. Ah ouais, ouais, c'est sale partout. Ouais les gars, voilà, on va se prendre du chien. On est avec John Wick. John Wick, le vrai Ramsey. Regardez, on va shooter. On va voir comment il tire. Il dégaine comme les jabs. Luc, Luc. Attends, non, non, non. Là t'as fait un tir groupé ici, c'est pas mal. Snipe. Non vraiment, là c'était le snipe là, là c'est très bien. Récupération, faire un peu de cryo. Non. Je bloque mon corps dans le froid là. Baisse pas la tête, comme ça t'as pas toute la fumée dans la gueule. Vas-y, tire tout de suite. Vas-y, direct, tire tout de suite. Vas-y. Ça caille ou quoi? Pas tout de suite. Eh, ça caille plus qu'hier carrément. Ah ouais? C'est pas hier. Non. Je suis déréglé. Les vrais c'est pas pour moi les gars. Combien de temps? 1 minute 30. C'est plus froid que la dernière fois. C'est pas fou. Il finit dans 45 secondes. J'ai que ça. 20 more seconds. 20 secondes. Machine. Done. Ouah, c'est alors, chaud! Glacial. C'est encore plus fort. Ils ont trafiqué le truc. Mais lâchant que, genre, dès que tu sors, t'es bien. Pour qu'on la là, le top rank, il a été réservé par Teofimo, je crois. Comme il combat bientôt, là, ce combat ce week-end, c'est ça? Pour la bataille de top rank, comme on veut faire physique, on est une salle de sport. Elle est pas mal, hein, il y a du bon matos. Franchement, ça. Voilà, c'est carré. Hein. Boucherie, boucherie. Pour moi, c'est boucherie. Mort. Le bandé va goûter les frères. Il est pas concentré. C'est la fin du training. Bien dépensé, ça m'a fait du bien. Et là, je commence à redevenir bien. C'était les 3 jours off qui m'ont mis un petit coup, on va dire. Là, je suis bien. 3 jours off, entre guillemets, c'est le voyage, quoi. Ouais, j'ai été long, il fallait s'adapter. On a essayé de pas s'entraîner. Comme on avait sparring, faut pas me fatiguer. On se sent bien. Le moins sparring à 13h chez Vargas. Voilà, les gars, c'est carré. Ouais, l'équipe, on a l'UFC Apex. On va voir le frérot Nasruddin. On va dans quelques minutes, 30 minutes. On va voir le c'est carré. Suivez-nous. C'est grand tu es. C'est très bonne maison. Là, droite, à gauche. Non, en vrai, ça se passe bien. Juste, je connais les émotions.
s'il reste à distance un peu, s'il a des allonges, le mec il veut que approcher. S'il reste à distance, ça passe tout seul. Pas qu'il se rapproche trop du mec, je dirais. Après, je le connais pas trop à mes mains. Allez, manger tous ensemble. Calme.